Bah, je suis là parce que je suis un peu nouveau dans le FSE, dans la grande famille du FSE. Donc voilà, je voulais rencontrer un peu les visages de mes collègues. C'est vrai que pour les territoires des DROM, il est important de pouvoir participer à ce type d'initiative, le village du FSE, où on trouve des porteurs de projets, des partenaires. C'est vraiment un moment d'échange et qui redonne sens finalement dans le... Voilà, les dossiers, le travail qu'on fait vraiment au quotidien. Voilà, l'intérêt que nous avons d'être ici et de suivre l'actualité et puis aussi de venir un petit peu à la pêche aux idées et de faire partager ce que nous savons faire sur notre territoire. Moi, je suis juste impressionnée par tous ces gens et puis du coup ça motive un peu pour continuer. De tous les événements auxquels j'ai pu participer, celui qui m'a le plus impacté c'est celui qui a lieu actuellement où ces différents gestionnaires du FSE qui partagent leur expérience ou les différents cas de figure auxquels ils ont eu affaire dans le cadre de demandes de subvention. Et moi qui suis nouveau, ça fait à peine 3 mois que je travaille dessus, ça va pouvoir m'apporter beaucoup de choses et lorsque ces cas de figure vont se présenter, je vais pouvoir solutionner les problèmes, quoi. L'importance de l'échange, l'importance de la prise de recul aussi et l'importance de la mise en place du travail partenarial. C'est un temps aussi où on peut échanger, se poser 5 minutes et de voir ce qui se passe ailleurs que chez soi. C'est ça l'Europe. Chaleureuse. Très bel événement, très, très positif. Convivialité et professionnalisme. Derrière ça, on a pu avoir des magiciens. Ça reste très festif, on est vraiment extrêmement bien accueillis, c'est vraiment chouette. Et je trouve que c'est hyper sympa, enfin, en plus il y a un beau soleil, les ateliers sont très intéressants, enfin, je trouve ça super.